Allez, on est bientôt parti. Alors du coup, je reviens sur ce que vous disiez dans le chat. Oui, la formule, ouais, c'est clair, elle est sympa parce que c'est surtout que ça s'adresse. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, bah, ils sortent du boulot, ils ont envie de s'amuser, faire une petite partie ou deux. Et du coup, bah, le meilleur moyen de faire ça, c'est de pas tomber contre ceux qui ont le temps de jouer toute la journée, bah, comme moi par exemple. Moi, c'est clairement, j'ai le temps. Hein. C'est pour ces personnes qui ont des gamins, etc., etc., qui ont juste envie de pas se prendre la tête, quoi, et de jouer avec des gens qui sont dans le même cas qu'eux, qui ont juste pas envie de se prendre la tête en jeu. C'est pas le but de faire la méga performance du siècle, mais ça fait toujours plaisir de s'amuser, quoi. Moi, je vois vraiment ça comme tu sors du boulot, tu vas jouer à un sport quelconque pendant 1 heure ou 2, histoire de t'aérer l'esprit, quoi. Donc c'est l'idée qu'on essaye de recréer ici. C'est vraiment ça. Et donc du coup, oui, on a des exceptions sur les moins de 25, il y en a quelques-uns. Là, moi, j'en ai fait rentrer un hier, c'est la première fois que je fais ça, mais c'est quelqu'un qui est dans la vie active, qui est très très posé, très sympa. Voilà. C'est pas le but de brider absolument à 25, simplement, on est très regardant sur les moins de 25, et dès qu'il y a un problème, c'est au revoir, quoi. Il y a moins de... comment dire? On n'est pas très patient, on n'est pas très patient avec les moins de 25 ans, c'est le principe. Ah merde, il y a une chose que j'ai oublié de dire au nouveau, je vais aller leur redire aussi, c'est que la grotte qui est située ici, elle est interdite. Alors je vais aller les voir. Où est-ce qu'il y en a des nouveaux, des nouveaux? Alors, là. Alors je repasse vous voir vite fait pour vous dire, préciser une chose, c'est que la grotte sur Vikendi, elle est interdite. Je pense pas que vous vouliez la jouer sur celle-là, Non. mais pour Non, pas info, du tout, mais ouais, ça marche, ok. on Je l'interdit retiens parce ça. que sinon c'est trop compliqué un tournoi. Je vais aller le dire aux autres. Donc elle est pas trop mal, j'étais à 2-2 de cadet, quoi. Ouais. C'est bien. Juste pour info, je me permets de venir vous voir parce que comme il y a un nouveau dedans, il y a dans votre squad, pardon. Ouais. La grotte, elle est interdite. Ah, ok, d'accord. Je précise parce que c'est trop facile en tournoi vu qu'on est moins d'équipes, moins nombreux, les gens jouent moins risqués, tout ça, ce sera moins contesté, quoi. Voilà. Ça Bonne marche. chance. Et je viens vous voir aussi parce que bah vous êtes la team de nouveau du coup. Mais oui, mais pourquoi c'est moi le Bambi? Ah bah ça c'est pas grave ça. Mais je voulais juste venir vous préciser une petite chose, c'est que la grotte elle est interdite, la grotte de Vikendi. Ah bah, de toute façon, on s'est barré. Oui voilà, bah je voulais juste vous le dire que ça vous le saurez. Allez bisous. Bisous. Voilà, ça c'est dit. Alors, croirait une cour de récré, oui encore. Alors c'est Victo le problème qu'il y a eu. Alors, Kino qui va se casser quand même, on va regarder un peu ce qui se passe. Là on a du monde proche mais ça va. Oh, c'est dans le coin ici. Alors. Croire une cour de récré. Alors, la cour de récré, c'est simplement dû au fait qu'on a un joueur sur qui on a des suspicions. Et comme fallait la montrer, et c'est passé quoi encore avec Simon, bah, c'est qu'il y en a certains, ils le suspectent de cheat parce que justement, ils disaient: Ah, faut pas aller ici, faut pas aller là-bas, faut aller là-bas. Ah, mais là-bas, il y a Zephyx ou je sais pas quoi. Sauf que Zephyx n'a pas tiré une balle de la game et il a knock personne, donc personne pouvait savoir où il était en fait. Autrement dit, à part soit regarder un stream. Ce qui est pas cool, et ce qui est complètement... Enfin, c'est de l'anti-jeu complet, quoi. Soit ça, soit avoir un petit détecteur, un ESP ou je sais pas quoi, là. Soit avoir un truc comme ça, bah, il n'y a pas trop d'autres solutions, en fait. Hein. Là où ça se faillit pas non plus. Donc, ouais, voilà, toujours la même discussion, on va dire. Il y a des... Moi, je bosse pas, je suis un troll d'Internet comme toi, Kara. Eh ben voilà, c'est parfait, ça. Un bon troll. Il y a des vieux aussi comme moi, exactement. Alors faut quand même savoir, alors Kirk il est là ce soir je crois. Oui, Kirk est dans la squad 3. Akara? Oui. Fais attention parce qu'il y a l'arbalète aussi dans la game, fais attention que personne n'utilise. Ah merde. Ok, j'ai dû la rater. C'est gênant mais bon. J'ai dû la rater. Ouais ça marche. Bon j'espère que les gens joueront le jeu. Ouais je pense, mais bon au cas où si jamais t'envoies un avec. Ouais, j'essaye de faire attention. Et si jamais t'envoies un dans le kill feed qui fait des kills à l'arbalète ouais. aussi, n'hésite pas à me le dire. Ouais. Des fois que je sois pris dans une action et que je m'en rende pas Ça compte. marche. Allez, Allez, à tout. bonne chance. Alors Grimbrock a tué... Oh, Naboo et Kous! Putain merde, ça allait vite, c'était où? Ah bah c'était là. Ah bah apparemment ça allait vite, hein. Ça a dû faire pompon. J'ai même pas le temps de voir la fin du fight. Bon bah GG. Le premier fight est toujours là où on s'y attend le moins. Parce que finalement, toutes les équipes qui ont atterri les unes à côté des autres et qui connaissent leur position, bah, pas tellement. Oui, Kara, oui. juste une moute question. Est-ce que j'ai le droit au moins au viseur sur le pistolet? Oui, bien sûr, ça t'as le droit. Ok, ça marche. Tu peux Alors, l'équiper comme tu veux, merci. ton petit flingue. Ok, ça roule, merci. À toutes. À toutes. Alors, du coup, où est-ce qu'on va se mettre pour essayer de...
je sais pas trop, parce que je pense que là-bas, je pense que de ce côté-ci, tous les joueurs connaissent la position des autres, que personne va vraiment aller se fight dans le coin. On verra bien. Ah oui, je disais Corkland. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, bah, il avoisine les 60 balais, il est là parmi nous, et il fait des frags, et ça c'est beau. Moi je trouve ça super stylé. Pour montrer un peu l'ambiance quoi. Il touche pas beaucoup, il le reconnaît lui-même, mais quand il fait son frag, il est super content, il s'est amusé tout. Moi je trouve ça nickel, vraiment. C'est l'idée qu'on veut, c'est qu'il y a aucune restriction de niveau ici quoi, c'est pas du tout le but. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tire des équipes au sort et que les rôles sont tirés au sort aussi, les rôles qu'on attribue, tout est tiré, c'est du pur tirage au sort pour mixer un maximum. Et du coup ça mixe un peu tout niveau, il y a des gens qui sont très forts, il y a des gens qui sont moins forts, mais le but c'est de s'amuser ensemble quoi. Excuse-moi Karat, te déranger. Ouais. Quand tu parles de gun, c'est bien le P1911 hein. Gun, c'est tu prends tout ce qui est pistolet en fait. Ah ouais d'accord, parce que du coup on avait croisé des patates, mais je t'avoue que j'avais pas entendu donc tout à l'heure t'avais parlé. Vous avez croisé quoi? On avait croisé plusieurs pistolets en fait. On les avait pas pris quoi, comme vous savez. Oui, c'est tous les pistolets. Hein. Ok, désolé. Enfin, désolé. Oh, t'inquiète. Pas de soucis. Tu veux. A toutes. Alors, faut dire si, on n'aime pas les filles, notre grand chef les bonnes à tour de bras. Ça, c'est pas vrai ça. Putain, fleuneux. Non, c'est pas 100% mec, il y a de plus en plus de nanas, ça c'est plutôt cool même. Moi je trouve ça plutôt cool, j'aime bien évoluer dans un environnement qui est très mixte. Ah, alors. Finalement, on voit presque mieux les joueurs comme ça sur. C'est vrai que le pourtour, c'est. Là, c'est plus joli sans, je trouve. On va tester comme ça. Là, il y a Bam et Blacky qui se ramènent sur le camp. Enfin, le petit groupement de maison qui a déjà été fait par Shenange et Reska. Salut Baboon, ça va bien? Les gens sont chauds. Ah oui, je te monte une petite bière. ouais, si tu veux, ouais. Vas-y. Bon, tu t'entendras ça dans une minute. Donc je devrais recevoir ma bière dans une minute trente. Alors. Là-haut, toujours PPR. Ah, c'est vrai que j'ai pas reprécisé, mais dans les colis, les gens ont le droit de prendre le soft T3. Mais pas les armes. Ah ouais. Il y a une goulie. C'est dommage, je peux pouvoir ramasser une. Je vais te re-déranger encore une fois. Vas-y, y a pas de problème. Juste une petite question, l'arbalète, on a le droit ou pas? Non, y a pas le droit. Si on a, faut que je vérifie d'ailleurs que les gens l'apprennent ou pas, c'est une erreur. C'est une erreur. D'accord, ok, ça marche. Ouais, parce que vu qu'il y a l'arbalète, j'ai dit c'est un coup par coup, on sait jamais. Je te remercie. Pas de problème. À tout à l'heure. J'espère qu'il a reçu le message aussi. Hop. Allez, allez, ça revient. Voilà. Alors, double pompe. Prenons des gens au pif. Alors non, pas eux, parce que eux, c'est pas le bon pif qu'il faut regarder. On va prendre, par exemple, là, ici. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'arbalète. On va prendre des gens au pif, hein, on regarde un peu ce que ça donne. Bonjour, je suis posé dans les airs. Ma maison n'a pas encore pop. Alors, il faudrait que j'aille voir si c'est une erreur de ma part, l'histoire des arbalètes. Bon, déjà, si les joueurs ne les prennent pas, c'est plutôt bon signe. Tom Tom non plus. Allez, Orchard Pierrot, je pense qu'ils sont au courant. Alors, 34 joueurs. On a toujours qu'une seule équipe qui s'est fait sortir par Grimbois et son coéquipier. Ah, le joueur de TPP, il est là. Unique. Allez, ici. Je pense que je les ai déjà regardés, mais c'est pas grave. Oh! Ah, le petit bug de son. N'oublie pas que Corkland s'est fait ban récemment. Il a fait de la pub pour un. Oh! Il a pas fait exprès. Et... Ah, je te monte une petite bière. Ouais! On garde la paix Dieu pour après. Ah bah ça va. Oui bonjour. Livraison. Alors je peux pas vous refaire mieux. J'ai pas les pots ouverts. Ah merde. T'as de quoi là. Tout le stream. Non je me suis fait Oui. Oui allô. Oui Toto. Est-ce qu'il y a le droit à l'arbalète? Non, il y a pas le droit non.
ce qu'il leur a mis. Ah, vas-y, vas-y. Ah, ce qu'il leur a mis dans la tronche. Oh, il est chaud, là. Tiens. Merci. Coucou, le stream. Ah, voilà. Non, je bois pas de bière en même temps. C'est pas vrai. Ah, putain, il les a déchirés. Eh, comme quoi, on peut se faire livrer à boire et en même temps commenter. Faut pas prendre. Hop. J'espère qu'il aura le temps de le lire. Hop, hop. Donc c'est bien, tous les joueurs me disent « Attention, il y a l'arbalète et tout. » Donc ça va, ça veut dire que vous voyez à quel point c'est bien... Comment dire? Les gens ont bien pris le pas sur comment ça fonctionne. Et si on en précise que... Si on précise pas que l'arbalète est autorisée et que le... Oh. Ah oui, mais là, c'est... Là, c'est... Là, je pense qu'on peut éteindre son écran et tenter des tirs. Ça essaye de riposter, c'est trop bien. Ouais, donc du coup, les gens prennent le pas, ça, c'est trop bien, quoi, parce que beaucoup de monde me demande si on a droit à l'arbalète, alors que, en général, tout ce qui est présent sur la map est censé être autorisé. Mais là, effectivement, bah, les gens jouent bien le jeu de ne pas les prendre, et ça, je trouve ça vraiment cool. Je sais pas qui est-ce qu'on pourrait vérifier d'autres. Bras de bébé Cafio, je pense que j'ai déjà regardé, non? Alors... Oh, par contre, il y a toujours ce bug des mecs qui marchent vite alors qu'ils sont en train de courir, tout simplement. Hein. Alors, un pompe, un flingue, on est bon. On garde la pédieu pour après, ça c'est sûr que ça fait plaisir. Alors, cela on l'a déjà vu. Où est-ce que ça va se jouer? Ah, Tino, faut que j'aille voir Tino, team 7. Tino, du coup, on n'a pas le droit à l'arbalète. Ah, mais d'ailleurs, attends, Provel, c'est pas toi qui a une... Ah non, c'était peut-être une mémoire pour les machins. Ouais, désolé, c'est un bug. Soit c'est un bug, soit c'est moi qui ai oublié de les enlever. Ok, ok. Désolé. Désolé. Tu m'as fait louper le NES d'Oscar. Allez, bonne chance. Merci. Alors, ça, c'est bon. Ça c'est bon. Voilà. Alors, ah, oh. Ah, Grave-moi qui qui sort encore une équipe. Mais je savais pas qu'il était aussi doué au fusil à pompe. Bah dis donc, il nous a caché des choses. Avec Vince, ils font un carnage, ils en sont à 6 frags, c'est ça? Eh oui, 6 frags. Bien joué à eux. Et ça ramasse des balles de pompe. Et ça va recommencer. Oh, Kirkland a tué Kirkland. Comment il a fait ça, Kirkland? Ah bah merde. Il s'est passé un truc, là. J'ai raté quelque chose. C'était dans la team de Zephyx. Alors, soit il a possiblement déco. Il a beaucoup de déco ces derniers temps. Donc, bah, à voir, hein. À voir. Alors les deux là, je pense que j'avais déjà regardé aussi. On est où? Oh, il va se passer des choses ici. Alors, tant que ça charge. Alors, ils sont pas très très loin les autres. C'est pas encore à côté non plus. C'est vrai que c'est vraiment du combat extrêmement rapproché. On va aller faire un petit tour du côté de Crozix. Crozix qui est en team 18 je crois, ouais c'est ça. Ah par contre Crozix, il est Bambi. Bambi c'est pas de gilet, oh putain pas de gilet ça va faire mal avec un pompe. Donc, je vois pas de gilet sur le perso, ça doit être bon. On a Monsieur Propre qui est Tinominateur, il est là. C'est bon, ah. Alors Tom Tom Go qui a tombé Wix. Allez, on va se mettre dans la vue de Kino. Allez Kinobis. Ah bah Tom Tom Go qui décide de finir Wix. Eria qui rentre. Ouh, Eria qui a mis des bonnes balles.
Mais attention, ça arrive par l'autre côté. Et voilà, TomTom Go qui fait le tour. Et la team 5 qui se fait défoncer par la team 11. Eh ouais. En plus, Eria est MacGyver. Ah, Eria, MacGyver. Il n'a que 5 balles dans son pompe. Ah. Ouais, on peut pas mettre détendu là-dedans. Si, on peut monter à 8. Bon, en même temps, c'est pas les accessoires qui vont changer grand-chose ici. Hein. On est d'accord. Alors, le Lynx, c'est TomTom Go. Bah tiens, justement. Ah bah, le bon duo, quoi. Donc le bon duo, bah il a un point rouge, on est bon. Ah, Tyrion a tué Zephyx avec une grenade. Ah bah c'est de l'instant du coup, hein, vu que Zephyx avait déjà perdu son coéquipier. On a raté ça. Alors, Orchard. Oh, Orchard l'a vu. Ah, il y a Provel qui a dû tenter un truc. Alors, Tino qui tente aussi un truc. Tino qui a pris très cher, mais je ne sais pas trop comment. De Pierrot du coup? Très certainement. Oh là, 17 de la part de Provel. Alors, les médecins et hyperactifs, c'était Kino et Pile. Donc, ils ne sont pas présents dans ce fight. Est-ce que ça fight ailleurs? Ah, par contre, messieurs, il va falloir se bouger les fions. Parce que dans une 40, la zone, elle est partie. Oh là là, ce bordel ici aussi. Il y a du monde qui court au loin. Donc là, ils se disent que finalement, bah, on va abandonner le navire. Hein. Ah, je sais pas où me mettre, on va se mettre là quand même, parce qu'il y a trop de monde pour que ça ne faille pas ici. Alors, on a pour l'instant les détenteurs du nombre maximum de kills qui se déplacent, qui vont arriver tranquillement en zone, mais derrière eux, c'est le bordel. Alors, Vantish qui doit savoir qu'il y a du monde proche. Ouh, eh ouais, quand t'as pas de gilet, ça fait ultra mal direct. Alors Krozix, il va sûrement essayer de se soigner. Est-ce que la grenade va avoir raison? Oh! Ah oui! Ah, la bonne sortie! Et il se fait finir derrière par Nico. Un kill partout, sauf que la 18, eh ben, il manquait déjà un joueur. Alors, Bam le créateur qui se déplace en véhicule avec Blackie. Bam qui aime bien les véhicules, hein, ça c'est indéniable. Alors Liguan et Napo qui sont en zone. On a énormément d'équipes en zone. Alors c'est normal, hein, quand je passe sur la vie du joueur, c'est... on a l'impression qu'il vient de déverser 3 millions de balles. C'est normal. Alors on a Pierrot qui a écrasé Orchard. C'est parfait. ça sent, on le sent pas du tout, le petit conducteur qui était là, qui est sorti de sa voiture ici, et que le deuxième est arrivé, il l'a complètement scratché. Ça se sent trop. Alors, piou, mais je crois que ça prend même pas une balle. Hein. Alors, je pense qu'ils ont fait le plein et qu'ils vont continuer à tourner en bagnole un moment. Ça peut être une technique de jeu, hein, tourner en voiture sur ce genre de game, où les combats sont tellement rapprochés pour que ça fonctionne. Que finalement, tu quittes pas ta voiture, tu tournes en rond. Ça peut marcher. Et clairement, c'est ce qu'ils font. Et en attendant, les autres équipes qui se mettent sur la tronche. Alors. Grimbois, et ici, on a Vince. Est-ce qu'ils avaient des malus? Non. Alors, Tyrion. Tyrion qui va arriver sur Cafio et Bradébé. Mais c'est la voiture. Oh, la voiture! Oh, la voiture! Oh, il l'a raté! C'est pas passé loin! C'est des ouf! Oh! Tu l'as vu la voiture qui a failli écraser? Non. Ça. Ah, est-ce que ça va faire? T'as Bam le créateur qui tourne en voiture. Ah oui, j'étais. Et ils ont failli écraser Tyrion, mais genre ça s'est joué à rien du tout. En plus, ils font un bordel monstre autour des autres joueurs. Et du coup, Shackwell qui va sortir Cafio. Voilà, c'est fait. Tyrion qui a pris des balles depuis l'intérieur de la bagnole.
Essaye de vérifier aussi s'il y a des gens malusés qui restent. Alors Shacwell qui aura tombé bras de bébé, donc finalement la voiture qui aura carrément aidé Tyrion et Shacwell alors que Tyrion a failli se faire scratcher. Il est chaud Shacwell. Ah Shacwell il est chaud, puis il est de plus en plus chaud en plus, il est de plus en plus hypé par les tournois. Et il aime bien ce genre d'arme en plus, il aime clairement bien ça. Il y a Grimbois aussi, Grimbois et Vince, regarde le nombre de kills qu'ils ont déjà fait, c'est ouf. Ah par contre ça prend des balles quand même hein. Par contre, la voiture va tellement mourir. La voiture va commencer à sérieusement fumer. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a Tom Tom Go qui s'est fait tomber par Reska, Grimbois qui tombe dealing à la greu. Ah. Il l'a raté. Alors, Vince the Killer et Grimbois qui sortent également Gilly. Reska qui s'est fait tomber par Tino qui a super bien joué. Ah Chanange qui... Ah ouais mais là c'est chaud de partout, c'est la guérilla quoi. Orchard Pyro là c'est compliqué là. Ah Orchard il s'est fait tomber. Oh il rate Pyro, il s'est fait sortir par Moru. Et Moru qui du coup est le seul survivant de sa squad. Moru a sorti Pyro Orchard. Attends et c'est Dacia qui roule toujours. Alors... On a Provel. La Dacia va exploser dans pas longtemps. Provel qui a sorti Eria et. Merde, Chanange c'était? Non, pas Chanange. J'ai mangé son coéquipier. La Dacia va sortir. Ah, Dacia elle fume. LOL! Attends. Oh là là, ça fume carrément. Oh, ils ont eu de la chance. Mais du coup, Chanange a sorti Tino dans la maison tellement ça fait du bordel autour. Sérieux, mec? Oh là là, Provel qui rage encore. Chanange, il a sorti tout le monde. Ah ouais, c'est le pompe, hein. Il y a une partie aléatoire, clairement. Ouais, Vince et Grimbois qui font une putain de gamme. Hein. Ouais. Ils ont sorti une squad qui prenait... Il y a une squad qui prenait un bateau. Ils les ont défoncés sur le bateau, ouais. C'était trop bien. En fait, Grimbois, il a super bien joué au pompe plusieurs fois, donc... Et là, ouais, Diffrag, propre. Hein. Alors, Shacwell, qui a mis du dégât, clairement. Tyrion, qui tombe Liguan. Alors, attention. Attention, Liguan, c'est le VIP. Si ce joueur meurt, l'autre joueur n'a plus le droit de rien faire. Ah bah voilà, comme ça, c'est réglé. Shacwell et Tyrion, qui vont sortir la team 14. Il reste 5 et... Ah, oh, c'est dommage, ils sortent à la 6ème position. À une place près, et ils doublaient leurs points. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Paye ta D5. Bah, possible. Piu 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 piu. Mais est-ce qu'il y en a... Ouais, mais il y en a... Ils sont pas en zone, hein. Ils sont pas en zone, ouais. Tu. Ah, par contre, Vince, il a un problème. Ouais, la grenade qui passe super bien sur Tyrion. Shacwell... Oh, Shacwell qui est pas loin de tomber. Oh là là, une balle, oui! T'as Grimbois? Mais il a bouffé du lion, c'est pas possible. Alors, Moru qui a tenté par-dessus Molotov, mais du coup, il s'est plus signalé qu'autre chose. Alors, il va tenter une greu également. Oh, je pense qu'ils l'ont repéré, oui. Moru, t'as ta tête qui dépasse. Vince qui décale. Et Vince qui devrait trouver le frag, je pense. Ouais, le deux coups qui fait super mal. Ah, c'est très marrant de voir les joueurs comme ça. Ah merde, ça chante pas bon pour les 20 serveurs surchargés, il y en a un qui me dit. Enfin, Pierrot me dit ça. Alors la grenade qui était vraiment pas mal pourtant. Donc, il nous reste 3 équipes. Un solo, 2 duos. Oh, la grenade, elle est magnifique. What? T'as vu ce qu'il a pris avec sur la gro? Il a pris que dalle. T'as pas vu Zafix? Non, j'ai pas vu. Ah, il a pris que dalle. Elle a pété à côté de lui. L'autre jour, t'as pris plus de mid-life sur une gro qui était deux fois plus loin. Pas de chance. Ah, Chanange qui se prend un peu de dégâts, qui est au bout.
Du coup, je pense que la Team 9 est au courant de la position des trois autres joueurs. Et au final, c'est Vince qui a la zone avec Grimbois. Chanange qui va tenter d'empêcher les autres de sortir. Ah, il a vu un... Alors, ça fait pas beaucoup de dégâts, un pont par cette distance. Par contre... Par contre, là, ça fait plus mal. Hein. Le bon 2v2. Oh là là. Bam qui tombe. Il reste plus que Blacky. Et Grimbois qui les dégage. 15 frags. Allez. La petite photo de fin quand même. Ah bah ça c'était une bonne game aussi. Hein. J'en ai... si j'en ai pris sur de la killcam, il vise à côté et je meurs. Bah ça arrive. Hein. Salut. Ouais, stream cassé chez moi. Plus moyen de jouer aussi à PUBG, serveur cassé. Oh putain, ça sent pas bon. Ah, GG! Moi je m'en fous, moi je reporte là, c'est signalé. Et après, ça manque, on va mettre des malus. Ah oui, oui, oui. Malus à Zephyx, malus à Zephyx direct. Ouais, bah là, franchement, les gars, si j'en connais, je crois qu'il y en a plein qui ont prononcé. Zephyx, j'ai que vous, c'est pas qui. Ce que nous on t'a mis, c'est rien par rapport à ce que une boîte nous a mis, hein. Franchement. J'ai un souci de connexion là. Attendez, regardez ce qu'il vous a mis. Je peux plus là. Connecter. Oh, c'est non, mais pas non plus. Il y a les serveurs Steam qui ont dégagé. T'as dû avoir un ban Green Boy, c'est pour ça. Non, mais apparemment, ce serait pour tout le monde la même chose. Ah ouais, il meurt non autorisé. Ah ok. Je suis pas connecté moi. On va essayer. 3 minutes, ça va marcher. Vous vous inquiétez pas. Peut-être en relançant Steam, est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé de relancer Steam? Non, j'ai pas testé de relancer, vous reconnectez dans 3 bonnes minutes et ça a marché. Ouais, mais chaque fois ça fait ça. Il y a peut-être une mise à jour aussi. Non, mais il y a les serveurs Steam qui sont en Nuknown. HTTP 503, donc. Blacky, il a fait le café. Du coup, concrètement, à part attendre et tout relancer, on peut rien faire d'autre, c'est ça? On peut chanter des chansons. Vas-y, on t'écoute. 3-4 bonnes minutes, les gars. Ça va. Je vais faire un café, moi. Zephyx, il a dit que Kara, il faisait des striptease en café. Allez, c'est parti. Non, quand même. Restons sérieux, restons sérieux. J'ai une question. Tu as tipsé, ouais. Un vêtement de moins, c'est quoi? C'est 10 balles, c'est ça? Oh, ça, après, faut voir avec Zephyx. Je viens connu, c'est 100 euros. Un caleçon usagé horrible. Connu pour 100 euros. Oui, c'est 20 euros, c'est ça qu'il disait. 20 euros. Bon, tu peux faire ça pour ta commu quand même. Ok, d'accord. Ouais. Tout nu dans les. Bon, bah en espérant que ça revienne, hein, parce que là pour l'instant on peut pas faire grand chose. Bon, on fait une game bombe, c'est ça? Question. Non, non. T'as tué surtout. J'y arrivais. T'as surtout tué avec quelle arme? Le deux coups? Non, le pistolet, il y avait tout. Pistolet? C'était mon pistolet. Parce que le deux coups, il tape de loin. Bah, je sais, mais c'est pour ça que je le prends. J'ai dû faire 2 ou 3 kills aux deux coups. OS12K, 2-3 kills et le reste au pistolet. Ouais, y'a pas un petit Naïm bot derrière là? Si, non, si, non. Je l'ai vu. Non, mais. Un Naïm lock et paf. Y'a de la greu aussi. Non, non, non. Et paf, ça fait des jeux cafiques. On a beaucoup parlé pendant la game. Confesse-toi. Confesse-toi. Non, il y a une En tout cas, ce moment super gênant quand t'es censé, comment dire, combler, alors que tu ne peux rien faire. C'est super, ça va. Je comble avec toi. Vas-y, comble. Ramène ton hamster et fais lui faire une petite démo de breakdance. Non, mais j'ai appris le triple salto arrière. Alors, d'après Pierrot, faut simplement. Il y a l'iguane. Ça remarche, les gars. Apparemment, faudrait reboot Steam également, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est plus que 35 alors qu'on est ça marche pas. Moi, je reboot le PC carrément. Alors, revenir au bureau. C'est pour ça oui. Qu'on est plus que 35. Ah merde, ouais, j'ai niqué par ça. Allez, on va quitter Steam. Moi, j'essaie de relancer comme ça. Voilà. En tout cas, les serveurs de Steam sont revenus. À part pour CSGO, mais ça, on s'en fout. Allez, Steam, on relance. Connexion raison Steam, impossible. Moi. Donc, alors, monsieur Luck. Ouais, j'ai vu que du coup, j'ai vu ton message, je suis bête. Du coup, ça va bien, monsieur Luck, parce que moi, j'ai pas demandé. Ah, mais du coup, ouais, j'avais chopé. Enfin, j'avais vu une arbalète, j'étais posé la question sur où est, quoi. Oui, ça c'est. Alors, c'est très certainement une erreur de ma part, ça peut être aussi une erreur de la map.
Typiquement, j'en profite tout de suite. Bah tiens, j'en profite tout de suite pour vous le dire. Dans la game suivante, ce sera une game uniquement Beryl. Sauf que à chaque fois qu'on fait une game sur le thème de la Beryl, il y a les mutants qui sont présentes. Mais genre, c'est à chaque fois, nous on n'y peut rien. C'est quelque chose qu'on a déjà observé. Certainement, c'est certainement dû au fait que la mutant a été rajoutée plus tard sur les maps. Non, elle a été rajoutée plus tard. Faut mettre des guns aussi. En même temps. Bon bref, il y a un bug lié au fait que les armes aient été rajoutées après quoi. Ah, il faut mettre des guns aussi pour le VIP quand même. Ouais, non, ça les guns j'en ai laissé. Mais ça, non, on n'a pas le droit de les utiliser par contre du coup quoi. Exactement, merci de poser la question. Donc les guns, le gun c'est uniquement pour le VIP, la Beryl c'est pour tous les autres. Si vous n'êtes pas VIP, vous avez deux Berylls dans votre inventaire en termes d'armes, c'est tout. Vous avez le droit à ramasser une poêle, ça on l'empêchera pas. Mais le flingue, non. Tu as la poêle par bien contre, sûr. Par contre, la game d'avant, je suis tombé sur une arbalète, il n'y avait pas le droit de la prendre. Hein. Non, il n'y avait pas le droit, non. Ok, je l'ai pas prise, mais j'ai été tenté. Bah, j'ai vérifié pour beaucoup de monde si... Non, je vais pas faire ça maintenant. Ah, ça galère Steam, hein. Ouais, Steam galère à mort, ouais. Ouais, moi il y a une mise à jour de Steam, je crois, en fait, c'est ça. Installation de la mise à jour. Nous en gap. Putain de signal ou pas? Donc du coup, ouais, pour la game suivante, donc vous avez le droit uniquement au Beryl, pas au pistolet. Les pistolets sont présents que pour le VIP. Et dans la game 5, tout le monde démarrera et pourra ramasser des scorpions. Uniquement des scorpions, pas des pistolets. Les pistolets seront de nouveau que pour le VIP, qui lui n'aura pas le droit aux scorpions à l'inverse. Putain. Donc en gros tout le monde sera scorpion, pas de pistolet, et il y aura uniquement le VIP qui sera pistolet et pas scorpion. Et par contre les colis les colis il y en aura x5, et ça par contre c'est free complet, hein. Tout ce qui est dans les colis vous ramassez tout. Ah oui c'est vrai, putain c'est les... Donc c'est le principe, c'est vous démarrez avec pas grand chose, mais si vous chopez un colis vous êtes ultra bien. Et des fois c'est pas toujours ceux qui sont ultra bien qui gagnent les fights. Hein. Ah c'est bon Steam, ça a l'air de revenir. Moi c'est bon, j'ai pu recréer une partie sur... Attends moi c'est pas pour moi. Steam c'est pas encore venu. Moi non plus. Va falloir faire un vote là sur le channel PUBG là où tout le monde met un petit like à la rigueur, tu sais, pour savoir si on est tous ok avec Steam quoi. Ouais, ou tout simplement il y en a qui ont toujours des problèmes, ils se manifestent. Oh, alors moi, quand j'ai des jaunes s'il vous plaît. Au pire, attends. On met une émote de gilet jaune. Attends, bouge pas. Problème. Steam résolu. Viré du channel. Voilà. Voilà, j'ai juste écrit problème Steam résolu dans le channel PUBG. Ah bah tu vois, elle était pas si nulle. Hop, que ça. Allez, si je vais t'écouter, je vais t'écouter. Putain, ce que j'utilise. Donc, on passe sur du Sanok uniquement Beryl. Moi j'ai quand même un jour de trop là, c'est un problème. Quand même aller vérifier ça, apparition, est-ce que j'avais oublié non, la palette icônes, là, la merde, le pouce ah. Levé. Bah verdict, 5, 3, 5, 5. Verdict, 5, 6. Voilà. Verdict, c'est moi qui avais oublié la palette, tu vois. Ah ok, bon, c'est pas grave. C'était une erreur. Par contre, grave, les joueurs de PUBG, on perd le score là, 5-10, c'est pas bon, 5-11. On est en train de perdre le score les gars. Ah ouais, c'est chaud là. C'est sur quoi que vous avez mis ça là, j'ai pas Du coup, game 3. TGV game 3. Le mot de passe, c'est. T'as vu mon message, GFX ? Avec le temps qu'on a perdu, j'aurais pas le temps de faire toutes les games ce soir, ça c'est sûr. Ah ouais, Steam ça va pas. Hein. Non. Ça marche, mon Steam ? Ouais, non, ça vient de se relan. Ah non, c'est encore. Il suffit de le redémarrer plusieurs fois en fait. Alors par contre. Steam, faut vraiment l'arrêter complet, faut pas juste fermer la fenêtre, hein, faut vraiment aller l'arrêter. Ouais, pour être sûr, non, mais pour être sûr. La fenêtre, elle bug. Moi j'ai relancé mon PC, ça marche pas. Attends, bah ferme, ça sert à rien de relancer ton PC, au pire. Normalement, ça doit te mettre un truc genre mise à jour de Steam. Après, t'as fait connexion au compte Steam, t'attends, et puis si ça marche pas. T'as marqué impossible de reconnecter à Steam. Et ben alors là, tu le refermes. Et puis t'essayes de bizarre, le relancer, encore une fois. Sonic Beryl. Moi non plus, hein, ça marche pas. Tac tac tac, munitions, 7,62. Ouais, si tu peux manger un peu plus loin de ton micro, s'il te plaît. Pardon, je coupe le micro. Il est toujours en train de bouffer. Même si on aime bien les chips, bon. Même pas, c'est des mélanges à poids. Bon, en fait, tu manges les chips, c'est à l'intérieur de l'oreille, c'est pas terrible. Le mec fait des mélanges déjà, quoi. À ce temps-ci,
Simon, y a pas d'air. La barre détache. Sur ta photo, Simon, la barre détache. À droite. C'est un petit rond vert pomme avec une croix dedans. C'est Prometheus. Oui, absolument, Cyrien. Si tu mords, tu penses de cela, oui, bien sûr. Tu savais? Je casse mes couilles de vous penser. Qu'est-ce que je cite? Vraiment, les gars. Ça me rend furieux, vraiment. Mais furieux comment? Parce que. Est-ce que. Bah, arrêtez de dire ça, s'il te plaît. Non, mais. Ah merde, 7-13. En furieux. Bon, on en est où? Ça remarche pour toi, ouais, donc ça c'est bon. Moi non plus, ça marche pas. Hein. C'est bon, moi j'ai laissé. C'est bon. Il faut laisser quand c'est la connexion Steam, faut attendre et ça vient après. Bon. Ah ouais, bah je réessaye encore. Ouais, je sens ça. Venir, de toute façon, là on s'en fout de Steam, là, c'est... tant que le jeu marche. Bah non, parce mais que bah, si, si t'es pas connecté à Steam. Si Steam marche pas, ton jeu marchera pas. Moi le Steam marche pas et je suis sur le jeu. Hein. T'es, ah c'est obligé que ton Steam marche. Hein. Ouais, mais c'est impossible d'accéder. Impossible d'accéder au réseau d'amis. Ouais, j'ai lancé le jeu. Oui, c'est ça, moi c'est juste la liste d'amis qui bug, c'est tout. Bah moi c'est Steam, bah moi je lance à partir de Steam quoi, je sais pas comment tu fais pour lancer sans Steam. Bah tu peux pas faire autrement en fait. Parce que j'ai même essayé. J'ai même essayé en Steam. Non, ça marche pas, ça m'est autorisé sur PUBG. Si t'as non autorisé, faut que tu relances tout ton Steam. Quitte au pire, essaye de redémarrer le PC. Essaye. Moi c'est ce que je viens de faire et ça me remet le même message. J'ai redémarré le PC, j'ai réessayé de. Moi ça marche. Allez, il y a un joueur à rejoindre la game. J'ai mis le mot de passe. Bah ouais, mais on n'arrive pas à trouver la partie. Je trouve pas la game. Ah merde, c'est normal. Oh putain. Ça a pas pris en compte le changement de nom. Ou je l'ai pas fait, je sais pas. Bravo. Ah non, je suis pas. Non, j'ai pas rêvé, j'avais mis un mot de passe. Hein. Yo tout le monde. Ah, y'a un mot de passe, mais y'a pas de. On trouve pas la game. Salut. Marshall vient d'arriver, y'a plus une place. Maintenant, vous devriez la trouver. C'est juste ouais, que. En fait, ça a pas pris en compte le changement de nom de game. Ah. Ni le mot de passe. Là, j'avais plus de mot de passe, plus rien. J'ai le même message que toi, bro. Alors, on va faire un truc simple. Pour ceux qui arrivent à rentrer dans leur squad et pour qui il n'y a pas de problème, bah allez vous placer dans les squads dès que Zephyx sera mis. Ah bah je peux pas mettre le truc, ouais, sinon c'est pas qui va jouer ou qui va pas jouer. Ouais, mais normalement ça devrait revenir pour tout le monde quand même, il n'y a pas de raison que. Non, ça marche pas non plus moi. Hein. Quoi je suis fermé et pourtant j'ai fonctionné en nom assigné. Grand bois, on en parle de tes points. Merde. C'est la merde. On en parle de tes points. Bah quoi, ils sont en train de tenir ma souris? Non, 560 points. En même temps que 15 kills. et deux top 1 derrière l'autre. Dont un avec un malus, donc voilà quoi. Mais viens nous incendier. Amusé. Ouais, moi ça va toujours pas. Hein. Non mais bon. La game aux pompes, elle m'a fait partir quoi. Et le pire dans tout ça, c'est moi qui le poussais pour attaquer, tu vois. Bah vous nous avez attaqué direct, vous. Ah ouais, mais c'était chiant, putain, moi j'étais dégoûté, c'est vrai, j'étais le putain de Bambi. Premier mort. Je sais pas qui c'est que j'ai tué, moi. Tu m'as tué, moi, premier mort. Ouais, mais... Ah, dans la petite cabane, au tout début. Bah ouais, j'étais à l'extérieur de la cabane. Alors, je vois moi, c'est moi. Ah, d'accord. Autant pour toi. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, hein. C'est ça. Il a quand même 3 kills, hein. Alors... Est-ce que ça avance? Parce qu'on en a 14 pour qui, c'est bon. Moi j'ai réussi à lancer Steam, mais il me dit pas de plus. Moi ça marche. Alors le Brad Bébé, le message que tu as posté là en mode réessayer, j'ai eu le même. Moi j'ai mis réessayer une fois et ça a marché. Je l'ai fait 3 fois. Ok. Bah moi j'ai fait réessayer au moins 15 fois. Alors juste une question, pourquoi est-ce qu'on a... Enfin c'est normal, je vois pas les équipes. Le jeu dit qu'il peut pas initialiser Steam. Oui c'est normal parce que si y en a qui arrivent pas à rejoindre, bah on les tirera au sort après. Je pense du coup on enlèvera, on va être obligé d'enlever une game dans la soirée je pense. Ouais. On est en train de perdre vachement de temps là. Bah ouais mais bon ça c'est les aléas du direct hein. Exactement. C'est bon tant pis là, c'est la game avec ceux qui sont présents. Ouais mais... technique hein. Ah là, de toute façon, on va être obligé de lancer. Ouais, sans... Je suis avec Grand Bois, c'est mort. Quoi? C'était quoi? Ah, mais ça va être super chiant pour toi. Bon, Steam, c'est bon, c'est bon. Je me mets avec Grand Bois. Ça va être simple. Tous ceux qui peuvent jouer à PUBG là tout de suite, vous allez tous en squad 1 et tous ceux qui peuvent pas, ils restent.
Okay. Attends, on se met tous en squad 1, mais on pourra pas tous. Mais si, ça va passer. Ça passe. Et on y va, là. Ouais, ça tiens, passe ça passe pas. Plus. Ça, c'est, ça, c'était encore une meilleure idée que la mienne hein, qu'il a eu. Hein. Du coup, ça, j'avoue. Mais c'est pas en... Bon, ça change pas grand chose, on a tous les présents, on a tous les présents dans la game donc. Ouais. C'est pas en squad là non. Moi ce que je veux savoir c'est. Si, si. Non, c'est pas en squad, mais c'est juste pour voir qui peut jouer et qui ne peut pas jouer. Eux, eux qui peuvent jouer là. C'est ça, bah mais il y en a que 17 qui ont rejoint la game, toi. Enfin toi t'es dedans aussi. Quand même pas mal qui peuvent pas jouer encore. Hein. Ouais, bah ah, une... la moitié. Ah c'est bon. C'est bon, ouais c'est bon, ça a l'air de revenir moi aussi pareil. Ah bah. Yes. Ouais, ça a l'air ok. Ah moi c'est bon. On va pas faire vraiment fait. Et la game d'avant, tu à mon avis. Allez, ça va revenir. Ah, oui, c'est ça. Alors, j'ai dit Tyrion. Ça va revenir, clairement. Ouais, c'est revenu aussi pour moi, mes amis. Ah, ça y est, mes amis sont revenus. Vince, ça y est aussi. Collection au compte Steam. Attention, suspense. Attention. C'est mes cheats, c'est les Russes qui. Ah oui, allez, c'est les Russes. Codin, dès que c'est bon pour vous, les gars, s'il vous plaît. Comme ça que je. Ah, c'est bon. Moi, c'est bon. Pareil, attends, faut que je regarde si Prometheus il marche. Alors, on va virer tout ça. Il faut y regarder ça. Moi, normalement, il n'y a pas eu de bug sur Prometheus. C'est bon. Ça commence à arriver parce qu'on est, on était 14-15, on est 20. Ça va venir. Allez, les gars, c'est bon. Alors, moi, ça m'a kill du jeu en fait aussi. Je comprends pas. Je me reconnecte au jeu. Bam, bam, bam. What the fuck? Bon, on a quand même la liste de ceux qui arrivent qui s'agrandit, c'est cool. 21 qui ont rejoint, on est déjà pas mal. Ouais, ça va. Moi je relance le jeu là, je vais voir si ça fonctionne. Bah relance tout, relance carrément tout, quitte bien Steam à fond et attends, au pire quitte. Bah recommence. Je vous demande juste d'attendre 30 secondes parce que là apparemment ça a l'air d'être parti. J'ai fait Cara, j'ai formaté mon PC, j'ai tout remis mes composants. J'ai changé de skill aussi. Oh bon. Alléluia. Bon. Je savais pas, je prends des dessins. Blacky, ça donne quoi pour toi? Je suis en train de rentrer le mot de passe. Parfait. Cafio, ça donne quoi pour toi? C'est good. Parfait. Kino. Moyen. Je démarre, mais je suis pas sûr. Kirk. Alors j'étais dans le jeu, mais c'était pas ça. Kirkland, toi, pour toi, ça passe? Connexion au compte, mais pour l'instant, ça bouge pas plus. Moi, c'est bon, je suis dans le lobby. Allez. Bon, c'est bien. On est bientôt sur le cas par cas là. Pile, est-ce qu'il a rejoint Pile? Pas encore. Marshall, c'est bon pour toi? Ça lance, je verrai. Ça marche pas. Démerdez-moi. Ouais. Ouais. Orchard, ça marche pour toi ou pas? Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Je suis là. C'était long. Oui. Bon, bah allez hop. Moi, je suis désolé. Allez, vas-y, y a le mot de passe, y'a tout ce qu'il faut. Toi, t'es dedans? Putain, t'es où, je te vois pas. Ah si, c'est bon, je te vois. Y'a. La... Okay. Non, c'est squad. C'est squad? Ouais. C'est passé quoi en gros? Hello. Y'a eu des soucis avec Steam, non? Ouais, c'est quoi le message que vous avez? De mettre à jour votre client ou pas? Non, j'ai eu la même chose, j'ai redémarré le PC, ça a fonctionné. Ouais, pareil, j'ai dû redémarrer mon ordinateur, ça voulait pas aussi. Bah, moi j'ai démarré l'ordinateur, ça a changé. Mais il vous dit de mettre à jour le client? Non, moi j'ai une mise à jour du PC fait il y a deux jours et depuis ça marchait pas. Comment? Mais là, c'est une connexion. Le mot de passe? Ah oui, faut pas le dire. Ouais. On évite. Ok. Alors, 31 déjà dans la game, c'est déjà pas mal. Ah, je vais redémarrer alors. Dans le salon, il y en a une vingtaine. Ah, moi je suis dans une game chinoise, what the fuck. Allez. Du coup, il y a les équipes de tirer au sort. On a 3 équipes de 3 du coup, c'est ça? Et ouais, je suis pas dedans. Donc on doit être 37. Ça a l'air d'arriver, moi. Pas dedans, moi. Aussi. Ouais, j'ai une série. Parfait.
Parfait, allez, parfait. Bah, du coup, ça marche, je switch, merci. Yes, nice. Ah, j'ai pas le droit au viseur. Alors, c'est Kino qui sera le VIP. Et bah, je vais aller faire ça tout de suite. Ah, bah, je vais faire du contact. Bah, je suis avec toi, Zephyx. Yep. Bon, bah, je vais aller au contact, hein. J'ai pas le droit de prendre de lunettes. Pourquoi? Ah, oui, d'accord. Alors, moi, il faut que je change les infos de ici. C'est sur Sanok, donc ça va, ça passe. Ouais, non, ça va, ça va. Les noms des joueurs. Voilà. Moi, j'espère faire un kill au moins une fois dans la soirée. Ah, tu t'es fait laver sur celle d'avant. Mais sur les deux games, gros. Ah, bah d'ailleurs, en même temps, celui qui t'a lavé, il est avec toi cette fois. Hein. Ouais, je sais, ouais. Mais tu sais que quand j'ai pris la balle, deux secondes après, j'étais derrière l'arbre. C'est incroyable. Après, il me semble qu'ils étaient deux à te tirer dessus, non? J'ai un doute. Ouais, bah au début, j'ai eu le VSS sur moi. Je me suis caché derrière l'arbre, je me suis redécouvert pour checker vite fait. Et là, au moment où je me remets derrière l'arbre, je prends une balle d'escalier, je suis tombé. Mais j'ai fait what? Moru, Crozix, Tino Antich, on est bon. Mais c'est incroyable. Alors, AFLC, il est dans quelle équipe? AFLC, il est dans aucune équipe? Team 18 pour... Ouais. Non mais je parlais sur Discord. Ouais, il doit y être. Eria est en team 3. Hop. Cafio. Histoire que je fasse gagner du temps un peu aux il joueurs. Est team 10. Ah oui, FLC team 10, parfait. FLC team 10. Cafio, j'arrive pas à la trouver, je suis Biglo. Si, team numéro 3 également. Ah. Team 3. Donc il y a Napo. En team 3, j'en ai un qui devrait pas être là. C'est Napo. Non, Napo c'est bon. Totomatic c'est bon. Eria c'est bon, c'est Kous. Kous il est dans la team 6. Kous il est là-bas. Et c'est Cafio qui est dans la team 3. Voilà. Oups. Brad Bébé qui est dans la 6 également, on est bon. Donc dans les 3 dernières teams qui doivent être complètes vu qu'il manque un joueur à chaque fois. Et il nous manque 2 joueurs. Team 2 et Team 7. Team 2, Marshall et Team 7. Gilly, Nico, Shackwell. Il nous manque Shackwell et Marshall. Est-ce qu'il redémarre un PC à tout hasard? Bon, c'est étonnant, Shackwell, pourtant il rate jamais rien, lui. Non, je pense ça va. Puis en plus, là, il est deuxième, il est bien, à mon avis, il va pas se barrer comme ça. Ah, ça y est, moi c'est bon. Toi c'est bon? T'as Shonix qui passe comme ça en coup de vent, il a cru que t'as un bon. Tu veux me donner le mot de passe du temps? Il est dans Event PBG, je te le donnerai pas en vocal parce que pour les questions de stream. Bon, tu le trouveras vite. Hein. Il est écrit au-dessus, il est au-dessus du message de Zephyx. Du mot de passe TGV. De... Le truc que je trouve bizarre quand même, c'est qu'on dit que le top 1 il prend un malus direct, Zephyx il le bat 30ème quoi. Ouais. Il va se cacher, hein, clairement, il va se cacher. Bon, en tout cas, ne parlez plus de malus, hein, parce que quand je prends des trucs comme ça, franchement, je suis loin d'avoir un malus. Enfin, je suis loin de mériter un malus. Mais si. Quand tu gagnes 3 tournois de suite, je pense que tu peux t'en manger un sur le tournoi suivant quand même. Non mais, Zephyx, n'importe quel joueur qui gagne 3 tournois de suite peut prendre un malus dans la tronche sur le 4ème tournoi, y'a aucun souci. Parce que j'ai eu de la chance à chaque fois, c'est tout. Oui. Bon, un peu plus que de la chance, quand t'es un bon joueur, tu peux pas dire que t'es pas un bon joueur. Si je serais bon, je ferais pas des games à 0 kill et mourir dès le début. Hein. Bah ça arrive à tout le monde. Alors il nous manque juste la team 7, il manque juste Shackwell, c'est Nuga, ça. Ça lui arrive hein, de se faire tomber direct. Alors Shackwell, est-ce qu'on pourrait lui envoyer un petit message à chaque... Ouais. Est-ce que déjà il est déco? Shackwell est déco. Vite. 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 Ah, ce serait... Ah ouais? Non, moi je le vois déco. Ah putain, il nous manque que lui quoi, c'est fou. C'est dommage. Alors squad 1, pourquoi il n'y a que Orcher et Ligwen? Ah, parce qu'il manque Blacky et Zephyx. Voilà. Oui. Excusez-moi, je vois qu'il y a des teams de 4 et des teams de 3. C'est normal, la team 8, 9, 10, c'est normal qu'il soit à 3, c'est la team 7 où il nous manque juste un seul joueur. D'accord, ok. Voilà. J'ai vu 6 teams de 4, c'est pour ça.
Ouais, bah il y a 6 teams de 4. Normalement, il y a 7 teams de 4 et 3 teams de 3. Bah oui, sinon on aurait réparti la team 10 sur les autres. Hein. Mais il nous manque. C'est Shackwell qui devrait revenir, on sait pas, on n'a pas la nouvelle, on attend. D'accord. Et une fois qu'il sera là, c'est vrai que c'est dommage d'avoir. Ouais, parce que s'il y a des teams de 4, 6, ça peut faire 2 teams de 3 en plus, quoi. Comme ça, tout le monde est à 3. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Et bah sinon, il y a un autre truc qu'on peut faire, c'est que je peux. Dès que Shackwell est revenu, je peux aller demander à Vince ce qu'il en pense, s'il veut commenter ou pas commenter. Mais s'il veut commenter, il doit être à FLC ce redispatch sur la team 8 et 9 éventuellement. Vous voulez gérer, vous en faites part, c'est tout. Ouais, ça marche. Bon, 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 on va attendre. On va attendre un petit peu, j'espère qu'il va vite arriver. Shackwell, si tu m'entends, dépêche-toi. Est-ce qu'il est sur le stream à tout hasard? Je le vois pas non plus. Shot. Si il est pas connecté sur Discord, c'est que son ordi doit pas être allumé. Ouais, ouais, ouais. Bon. C'est peut-être un vieil ordi long à... Yop. Yo, Vince. On en est loin dans le lancement ou pas? C'est juste une question con, mais... Bah, on peut pas savoir parce que y a Shackwell, on sait pas ce qu'il fout. Bah, il suffit de lui parler à Shack. Bah, vas-y. Bah, attends, bah, Bon chance, bon chance pour lui parler. Il leur dira quand tu lui parleras. Il manque, yes. Qui est The Fix? Shackwell. Il est en quel team, Shackwell? Non, mais t'inquiète, on a déjà regardé, on lui a déjà envoyé un message et tout. Hein. Il est pas connecté en fait. C'est ça, il est pas connecté, on lui a envoyé un... Enfin, moi j'ai envoyé un message. Ce qu'on va faire, c'est que Vince, il va aller en team 7, AFLC en team 8. Ouais, c'est exactement ce que j'ai, parce que le souci, c'est que nous, on est à 3 et en plus, on a le... Ah, dans tous les cas, on lancera pas tel quel dans tous les cas. Attends, bouge pas. Donc ce serait Iduet en team... Si on prend l'ordre oui, du tirage au sort... Il dû être 7, FLC 8, Vince 9, c'est ça? Yes. Bon, il est 22, 25, 27, on lance. Non, mais vas-y. Yes. On voilà, décale ou pas? Que je prévienne? Comme ça, Non, bah aussi, on s'en occupe, t'inquiète pas. Yes, ok. Moi, je décale en combien alors dans le coup? En 9? 9. Avec 9, ouais. Ouais, ok, allez-y. Bon, je vais leur dire du coup. Bon, du coup, il y a un petit changement pour votre équipe. Il y a Shackwell qui n'arrive pas à rejoindre. Du coup, au lieu d'avoir 4 équipes de 3, on va faire 3 équipes de 4 sur les dernières équipes. Forcément, comme vous êtes dans la team 10, c'est celle-ci qu'on redispatch. Et si on prend l'ordre des équipes, Iduet, tu vas en 7 et AFLC en 8. Ah ouais. Bah, je reprends l'ordre. Ouais, non mais. Bah tu vois, FLC, t'as bien fait de parler d'Askip. On était en train d'en discuter d'ailleurs. Ah, je suis content, Chanange et Askip. Bon allez, bonne chance. Ouais, bon, bah merci. Bonne chance. À tout, hein. N'importe quoi. Allez. Vas-y, let's go. Enfin, attends, faut mettre FLC au bon truc. Je lock les équipes, comme ça, là. Normalement, pour toi aussi, tu es visuellement, tout est bon. Allez, alors attends. Shackwell a pas parlé. C'est bon, bah allez, on commence. Ça faut toujours cliquer deux fois sur ce bouton, c'est stressant. Coucou Saya, ça va bien? La partie ne se lance pas. Si Prevel, ça va se lancer. Bah tu vas l'entendre dans une minute, hein, et tu devrais le voir en direct par contre. C'est juste qu'on attendait Shackwell. Ce serait quand même dommage, un joueur aussi assidu, de ne pas l'attendre. Et comme on le voit pas, on a lancé quoi, il doit avoir un problème sûrement sur box, PC, j'en sais rien sur quoi, mais clairement il y a un problème. Allez, mode smooth. Ah là. Team 5. Ça va? À toutes. Ah, apparemment Prevel a pas encore rejoint.
Alors, j'espère que tout le monde va pouvoir rejoindre. Alors, team 5, ils sont toujours que 3. Alors, il y a d'autres équipes pour qui ça bug ou pas? T'as, c'est compliqué ce soir. Compliqué, compliqué, mais ça va le faire. Donc, je vais aller voir. Provel, t'as bugué du coup? Non, pourquoi? Je te vois pas dans la game. Ah ouais, moi non plus, c'est vrai. Mais attends, ça charge. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais, on essayait d'attendre Shackwell pour voir ce que ça pouvait donner. Mm-hmm. Et bah... Du coup, ça a pas marché pour lui, ouais. Et de connexion expirée. En fait, on a même, on, il, est même plus, il a même plus internet, on a l'impression, quoi. Putain. J'ai pas son numéro de téléphone. Alors t'arrives pas à rejoindre la... Demande à Follet, Follet, je crois qu'il doit l'avoir son numéro de téléphone. Bah tant pis, trop tard, on a fini par lancer parce qu'on peut pas se permettre... Là, du coup, nous on est que tous les trois. Ouais, ouais. Provel, t'arrives pas à rejoindre là. IMZ et les deux connexions expirées, donc je me reconnecte. Ouais, bah à mon avis c'est mort. Non, non, pas forcément. Ouais, maintenant, dans l'avion, même une fois que l'avion est lancé, les gens arrivent quand même à se reconnecter. Ouais, ça arrive à Kirkland la dernière fois quand on s'est vu ensemble. Et le truc c'est que moi, en tant que... En tant qu'observateur, je peux même pas voir ce qu'il en est, parce que si quelqu'un déco, bah il fait plus partie de ma liste de joueurs, donc c'est un peu débile. Ah oui, et oui, du coup tu sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu un problème de connexion ou quoi. Je vois, ouais, c'est ça, je sais juste que la liste elle est incomplète. En gros, le joueur serait mort, un joueur qui déco ou un joueur qui est mort, pour moi c'est la même chose, visuellement. Ah, d'ac. Et c'est super chiant, parce que tu vois, là je vois que la team 5 elle est incomplète, mais je sais pas qui est-ce qui ment, ça me dit même pas qui est mort en fait. Je sais pas que... T'as fait chier quoi. Attends, est-ce que je peux aller voir dans l'avion? Bah allez, bonne chance. Ça m'enlève mon bonus. Ouais, salut. Ah non, ça enlève que dalle. Bon, mais on sera plus tout seul là. Merde. Fait chier quoi. Ouais. Bah tu vois, en plus on parlait de Shackwell il y a 2 secondes quoi, et du coup quoi, le karma il t'a réglé en 2 secondes quoi, putain. Saloperie de karma de merde quoi. C'est ça. Alors est-ce qu'il y a, c'est un joueur dans l'avion? Merde, ça va trop vite. Ah bah je peux pas suivre l'avion en fait, je crois. Non, il y a plus d'avion. Ça finit où la zone? Comme ça j'essaye de faire crash. La zone n'est pas encore. Je sais pas, je vais faire...